Christ, je souhaiterais que nous prenions toutes les dispositions pour lui réserver donc un accueil chaleureux. Nous sommes en pleine célébration. Voici enfin, ce 17 octobre 2024, à l'INJS, pour célébrer la victoire des éléphants et surtout célébrer ce trophée remporté de haute lutte. À cet instant, qu'il me plaise de remercier Son Excellence le Président de la République, qui a mis tout en œuvre pour la parfaite organisation de cette cérémonie et qui a mis tout son leadership afin que la Côte d'Ivoire sorte vainqueur de la 34e édition de la Coupe des Nations. Monsieur le ministre, merci d'avoir choisi l'INJS pour abriter cette cérémonie. Merci de reconnaître ce que tous vos collaborateurs ont pu faire à votre côté pour que nous puissions ensemble mais dans la main, remporter cette victoire. Je voudrais, au nom de l'Institut National de la Jeunesse et des Sports, vous dire bienvenue chez vous, merci pour tout, que la fête soit belle, je vous remercie. Au nom du président de la FIF, M. Yassine Idriss Diallo, vous adressez les salutations chaleureuses de la Fédération Ivoirienne de Football. Excellence, Monsieur le ministre, je pense que la coupe est chez elle, parce que l'INJS, c'est le temple du savoir du football, du sport en général, mais surtout du football. Ce que nous devons savoir, c'est que quand on parle de sport, quand on parle de football ou d'autres activités sportives, c'est ici que tout se conçoit, c'est ici que les formateurs sont formés. Et c'est donc un plaisir et une immense joie pour la Fédération Ivoirienne de Football d'être ici. Excellence, Monsieur le ministre, être bref et dire simplement que la coupe est là. La coupe, c'est votre coupe et cette coupe, c'est la coupe de l'INJS parce que nous sommes convaincus que ces jeunes qui deviendront des cadres de demain, qui reçoivent la connaissance à partir d'ici, pourront encadrer tous ces jeunes Ivoiriens qui veulent être des leaders. Parce que les enseignements que nous avons tirés de cette compétition sont immenses et sont enseignés dans nos écoles. Car, comme l'a dit le présentateur, qui pouvait espérer grande chose après cette grande débâcle face à la Guinée équatoriale?
Mais la Côte d'Ivoire reste la Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens restent les Ivoiriens. C'est dans les moments les plus difficiles qu'ils font preuve de résilience, qu'ils font preuve de solidarité, avec beaucoup d'humour pour triompher. Et c'est ce que l'éléphant a montré. En démontrant à tous que l'éléphant reste l'éléphant, quelles que soient les difficultés, l'éléphant restera toujours l'éléphant. Merci donc à tous de nous avoir apporté votre trophée, qui est le trophée de toute la nation, mais singulièrement qui est le trophée de l'INJS, parce que l'INJS, le temple du sport, c'est à partir d'ici que tous sont formés, c'est à partir d'ici que tous partent encadrer ces jeunes qui deviennent des champions. Je voudrais donc dire merci à tous. Merci de recevoir ce trophée. Merci d'en être fier, parce qu'aujourd'hui, et ça a été le souhait du président de la Fédération Ivoirienne de football, nous avons décidé de décentraliser nos actions à travers le pays. La Fédération a décidé de mettre des centres techniques régionaux à travers toute la Côte d'Ivoire et nous avons été très heureux de recevoir près d'une centaine de jeunes formés à l'INJS mis à la disposition de la Fédération pour pouvoir exercer. Et ça avec beaucoup de fierté, le président de la Fédération a décidé de les mettre en action dans nos ligues, qui sont au nombre de 12 sur tout le territoire national. Et nous pensons que de cette façon, ce qu'ils ont appris, ils pourront l'enseigner à ces jeunes qui sont dans les zones les plus reculées. Donc c'est dit, la Fédération et l'INJS constituent une même entité, mais cela sous la responsabilité de Monsieur le ministre. Et c'est pourquoi je voudrais vous dire merci pour cette belle manifestation et dire que la coupe est là, c'est votre coupe. Vous pouvez donc vous en réjouir de sa présence. Mesdames et messieurs, jamais de mémoire d'Ivoirien, un événement n'a réussi à fédérer, à mutualiser toutes les énergies autour d'un vivre ensemble paisible et harmonieux. Loin des miasmes morbides des clivages politiques, loin des pétiteries politiciennes, cette CAN 2023 qui a pulvérisé tous les records en termes d'audience, en termes de recettes, de maestria organisationnelle, de qualité des infrastructures aussi bien sportives que connexes et de mobilisation. Cette CAN 2023, dis-je, a eu le mérite de nous enseigner deux leçons fondamentales de vie. La première, c'est que quand tout n'est pas encore fini, rien n'est fini.